Bonjour YouTube, j'ai lancé une VOD. J'espère que tu te portes bien. Je ne sais plus quel est l'objectif. Mais j'ai bien peur de me souvenir de quelque chose quand même. À base de Tainted K1. Donc bon. Voilà, on va regarder, hein. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est pas évident, hein. Mais on est là quand même. Oh là là, Tainted K1. The Lamb, Mega Satan, Tainted K1. Bon, en vrai, on n'a pas à se presser, donc on va pouvoir optimiser. Je sais que vous adorez ça. Moi, ça me vrille le cerveau, mais... voilà, rune. La rune de 2 heures. Préparez-vous à la rune de 2 heures. T'as une petite caca. Je vais me mettre là, je vais faire ça. Et... je vais virer la cam parce qu'avec lui c'est plus pratique quand même. Si je fais ça. Et si je me barre à l'autre côté. Comme ça on affiche les recettes. T'as rigolé à Tainted K1. Ah, je peux vous montrer un truc. Ah non, je vous montre pas, mais. J'ai deux nouveaux boutons sur. je vais finir cette phrase. Je me rends compte de mes phrases. Je peux vous montrer mes deux nouveaux boutons sur le cul. Ils sont nouveaux. J'ai deux nouveaux boutons. Attendez, je me mouche un peu d'abord. Ça ira? Ok. Non, j'ai deux nouveaux boutons sur le Stream Deck. Ils sont... C'est vraiment hors contexte, mais... J'ai celui-là. On y va pour les gros nichons! Voilà. Et l'autre, vraiment, ça va pas parler. Ça va pas parler à beaucoup de monde. Enfin, si, ça va parler à des gens. Mais bref, me demandez pas pourquoi, mais j'ai mis ça dans le Stream Deck. Pas la ref. Pause 28. C'est une musique d'un jeu Roblox qui s'appelle Dress to Impress. Il faut s'habiller pour impressionner. Et voilà. Est-ce que j'ai besoin de plus? C'est pour ça que ça me semble familier. Bah, Gomar, elle doit y jouer. Elle a dû y jouer, Gomar. Thème Renaissance. Voilà. Il y a des thèmes. C'est un peu claqué, hein. C'est un peu claqué du huc. Mais il y a cette musique. Et je sais pas. Moi, je la trouve. Je la trouve marrante. Et puis, OP avait joué à ce jeu. Et évidemment, OP, elle chante. Et elle avait mis des paroles là-dessus, et ça, c'est resté dans ma tête. C'est resté. Et du coup, à chaque fois que j'entends ça, j'entends « Show them ». Gonna show them, show them. Gonna show, gonna show, gonna show them. Dijado. Si j'adore. Ça va, psycho? Les gros nichons, c'est plus ma DA. C'est vrai. On y va pour les gros nichons. Oui, alors ça va, YouTube, il est là, ça va. Pardon, mes gros doigts, là. Show them. Gonna show them. Show them, gonna show them. Tapote à droite si tu veux. Ok, j'y vais, ça va. Petite dernière. Ok.
Encore une? Ok. Fais le dupe plus les gros nichons. On y va pour les gros nichons! Alors. C'est bien qu'il n'y ait pas la cam, ça va me faire du bien. On y va. Objectif, The Lamb, Méga Satan. Ça veut dire qu'on joue Angel Room. J'aurais peut-être dû dire à Twitter qu'on va sur Isaac. Attends YouTube, c'est pas prêt. Je vais dire à Twitter qu'on va sur Isaac. On va sur Isaac. La gueule de mon Twitter, il me fait rire. Faut que je... Genre déjà parce que mon tweet, il est nul à chier. Et en dessous, il y a ça. Il n'y a plus de lien, il n'y a plus rien. Mais va pas sur Twitter pour liker l'annonce, c'est une rediffusion. Bon, je vais avaler ça. Tropipou le tutu. Oula! Bonjour Citernifion. Pourquoi? Parlons-en, mais pourquoi les mottes de là ou de là? Pourquoi il y a un bras qui va vite et un bras qui va doucement? Trop bizarre. La bonne question. Pour faire chier les tations. Les tatillons? Et Tathion. Quel est l'objectif? Quel est le plat du jour, Lewis? La soupe à la tomate. Ah, vraiment? Le but est sans aucun doute de rester en vie, d'explorer, de tuer les méchants et de gagner. Non, c'est The Lamb Mega Satan. Roue libre. Tut-tut, fils de pute. Pourquoi on a une épuisette? C'est pas une épuisette, c'est un sac de craft. Ce personnage-là, je dois ramasser les... comment on appelle ça? Parce que j'ai envie de dire les pick-up, mais c'est pas ça que je veux chercher. Les... un sac de crack? Un sac de craft! Les composants, les collectables, voilà, bon. Tu vois, genre les clés, les pièces, les bombes. Les pick-me, non, c'est pas pareil, ça. Les pickles. Bref, je ramasse les consommables, je les mets dans mon sac de crack. Ça fait une formule, tu vois, en bas à droite, il y a clé, batterie, pièce, bombe. Bah, quand j'en aurai 8, cette formule va créer un objet. Par contre, si je ramasse un objet... il va être détruit, il va se décrafter en objets collectables. Je peux pas vraiment ramasser d'objets. Je suis obligé de les crafter. Alors théoriquement, faut que je me débrouille avec ça, mais vu qu'on a le mode qui donne les formules, ça aide quand même un petit peu à générer des objets pas trop nuls. Et par chance, nous avons déjà fait les objectifs où il faut se dépêcher. C'était un enfer.
Avec ce perso, c'est un enfer, je trouve. Donc là, on peut y aller tranquille et de temps en temps, regarder une vidéo YouTube. On peut peut-être au milieu de la run faire un react d'une vidéo d'un mec qui va sur l'Everest. Je crois que c'est que 2h30. Regarde! Regarde, on a les recettes. Mec random, là. Ça permet d'avoir des objets pétés au premier étage. Alors, pas forcément. Le problème, c'est que c'est pas uniquement des formules. C'est aussi en fonction des objets qu'on met dedans. Par exemple, une clé dorée va être plus puissante, tu vois, va donner un objet plus rare. Un Lucky Penny, c'est très puissant. Un cœur blanc, ça va plutôt guider vers des objets d'Angel Room. Un cœur noir, plutôt vers du Devil Deal. Lucky Penis. Remember, map plus tir haut. Ah ouais, mais map plus tir haut. Ça marche pas. Ou tir bas. Bah oui, mais tu vois, moi, ça revient... C'est chiant, tu vois, ça fait ça, là. Bon, bref, c'est peut-être pas mal. Oh, fan, je sais pas si on peut dire que tout va bien, hein, mais... Oh, le dent du chien! Viens, on fait la dent du chien! Qu'est-ce que vous en dites? Je dois enlever la bombe. Oh, je sais pas, moi j'arrive pas à réfléchir. Dent du chien, j'enlève un cœur et j'y mets une clé. Dent du chien, j'enlève la batterie et j'y mets une clé. Et voilà, dent du chien. Augmente la vitesse, augmente les dégâts et le chien va hurler. Hurler, hein, vraiment, à se casser la tête, là. Quand il y aura une secret room ou une échelle de corde, pas en corde. Eh oui. D'ailleurs, attendez, mais si vous voulez, on peut peut-être faire le bingo. Allez, vas-y, on fait le bingo aujourd'hui. Attendez, j'ai programmé ça, là. OP avec les filtres, là. Comment elle fait, le loup? Je sais plus, je l'ai plus en tête, là. Loud, c'est de pire en pire, ça va pas là. Qu'est-ce qu'il a fait là-haut? Shadow, pas gentil Shadow. Non, YouTube, il tapote pas. Hein. Je suis persuadé que YouTube ne tapote pas et que c'est une légende. Je suis persuadé. Je suis Super Castor. Regardez-moi ça! Moi, je tapote. Oh, il est parti. Fallait le voir vite parce que... Tchouf, il est parti. Attendez. Je cherche. Bingo. Créer un bingo. Ah mais non, mais tu me casses les pieds là. Il y a bingo et grille de bingo. Quelle idée, hein. Quelle idée! Alors, si je fais ça, vous allez le voir tout le temps. Voilà, je veux que ça se voit tout le temps, mais je veux pouvoir faire ça. Là, on va faire transition d'affichage fondu, transition de masquage fondu. Voilà. Puis je vais aller dans Stream Deck et je vais aller. Je suis dessus, là. Là, il y a une case libre. Oh, mon stream deck, il est dégueulasse. Ensuite, je vais dans OBS. Et je dis... Afficher... Visibilité de la source. Voilà, visibilité de la source. Et je vais dans scène console, parce que c'est la scène console, même si c'est pas sur console. Et ça. Et là, si je fais ça,
Waouh! Ah ouais, mais le fondu, il est beaucoup trop fondu, là. Attendez. Beaucoup trop fondu. Parce que là, le fondu, il est à 700 ms. On va mettre du 300 ms. Faut que ça fonde, mais quand même. Voilà. Est-ce que je mélange les cases? Mélanger les entrées. Waouh, 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 waouh. Encore? Et si... Partager la grille aux viewers. Après, moi, c'est moi qui coche. Vous, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Hein. Mais c'est juste pour que vous l'ayez de part vers vous. Ça fait quoi si vous ouvrez ça? Ah ouais, mais d'accord, vous avez peut-être pas le même truc, vous. On a une grille. Mais vous avez pas la même grille, c'est ça? Ouais, ça change la grille, ok. Ouais, mais en fait, moi, je voulais vous envoyer ça pour que vous ayez la liste des trucs. Parce que la grille, la vraie grille, c'est la mienne. C'est juste, c'était pour que vous ayez la liste des cases. Ouais, je sais pas comment on fait un bingo, je sais pas. Au pire, si vous voulez cocher, vous cocherez, vous faites ce que vous voulez, ok? Voilà, ça m'a déjà gonflé, j'y vais, ok? Ce que vous voulez, c'est bon quoi. Oh! Le chien. Il y a le cœur sacré et Angel la radine collée. Ouais, bon, après, voilà. Nul! Pourquoi ma manette vibre? Pourquoi ma manette a vibré? J'ai pas compris. Alors vous voyez, vu qu'on vient de décrafter un objet en secret room... Par contre, nous, on peut pas cocher, c'est juste toi. Ouais, c'est moi qui coche. Alors, à la base, le principe du jeu, c'est que c'est moi qui coche. Et à partir du moment où j'ai coché, vous pouvez cocher. Mais voilà. C'est pas clair. C'est pas clair. Tu nous fais vibrer. Non, mais c'est bizarre, d'habitude, ça vibre pas sur Isaac, si. Avec le stick, on peut pas faire des diagonales. Pour le sac, non. Ah. En vrai, si, j'ai l'impression. Ok, je pensais pas. Bref, vu qu'on a décrafté un item dans la secrète, on a un cœur d'os. Et le cœur d'os, bah, ça pèse lourd dans la balance. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lourd. Du coup, on peut avoir des objets intéressants. Oh, y a un monde où vous m'ouvrez le passage, là. Merci. Et on peut mettre un cœur pourri. On va aller juste voir ce qu'il y a dans le shop avant. Il y a moyen d'exploser la machine. Cœur pourri en prime, la recette va être bonne. En plus, on en a trois, quoi. Bon, y a rien d'extraordinaire quand même. Hein. On peut faire un guppy scolar, mais bon. Est-ce qu'on veut vraiment faire un guppy scolar? Dark Prime.
Franchement, ouais, je crois que je partirais plus pour le Verseau. Qui peut avoir les effets de l'arme sur lui. Ouais, voilà, il peut avoir pas mal de combos, le Verseau. Faut que j'enlève le cœur normal. Et que j'enlève la clé. Voilà, on a une traînée. Et ça combotte pas mal, ça. Et ça a encore vibré. Je vous jure, j'ai ma manette qui vibre. Mais depuis quand vous vibrez, là? Il y a un vrai truc. Depuis quand ça vibre sur Isaac? Nouvelle feature. Ma foi. Bon, on est que à 8 minutes sur l'étage 1. Confiture. C'est drôle. Encore un cœur pourri. Ah bah du coup, j'y pense parce que voilà, mais... Est-ce que j'ai dégâts à l'étage 1, moi? Pire ennemi, 1%, mort nul, planéto du cul. Ah, j'ai pas de dégâts sur l'étage 1 dans ma grille. Bon, je le coche là, je sais pas. Ah, ça m'a gonflé, cette grille là. Je sens que ça me saoule déjà. Voilà. On va prendre des sous. Sous. On a dit qu'on allait en Angel Room, on rappelle. On va en Angel Room. Salut Flowers. Il est déjà 19h20. Allez, fléau d'obscurité. On voit Rin. On a le Xing. Oh, une pièce grise. Fléau off ta mère, le bingo. Ah. Ouais, mais fléau off ta mère, c'est quand je me plains. Là, bon. Est-ce que je me suis plaint? Oh, la bombe dorée dans le sac, ça pèse lourd, ça. Je vais crever, je vais juste crever, en fait. Je veux pas mourir. I don't want to die. Voilà, je vais prendre ça. Je vais faire ça. Il y a encore une pièce grise. Je peux faire les bombes du Cax. Ce qui me donnerait 5 bombes. Ciseaux en vrai, cool. Mais pas de bombe dorée. Ah oui, le ciseau, il voulait pas la bombe.
Si je prends une carte. Ah, si je prends une carte, il y a... Il y a des choses, là. Est-ce qu'on part sur la picouse ou les larmes boucliers ? L'arme bouclier, c'est pas mal. Allez. L'arme bouclier. Bonjour Antoine le Requin. Oh, un cœur blanc ! Incroyable. Oh, attendez. J'ai un choc. J'ai un choc, je crois que ça va voir pourquoi la manette vibre. La console est lancée. Ça agit sur les deux là, ça fait les deux. Depuis tout à l'heure, ça doit bouger, ça fait nimpe. Je vais éteindre la console. Il joue à deux jeux en même temps, découvrez son histoire. Merde. Enchaîne. Pff. Ah, silence, hein. Le chien, là. Allez, les dégâts. Clic, clic, silence, le chien. Oh my god, play Astrobot. Avoir la ref du début du stream. Une clef. Le double stream. Stream de débile. Astrobot on sale now. It's available. It's available online. Play it. Il est peut-être encore là. Oh le chien. Alors on marche dans ma traînée ? Ah ça y est, je l'ai. Ah, non, je l'ai pas. Ah ouh. Ah ouh. Professeur Lupin. Ok. Est-ce que je crafte encore l'acide ? Explosivo. Mais tu sais très bien qu'explosivo, je vais m'exploser moi-même. Faut peut-être que je me fasse du HP up, hein. Il y a le jus de Jésus. Il y a Marble. Il y a la dualité pour peut-être avoir des angels, quoi. Scapular. Je
Je sais pas gérer Scapular, mais en vrai, je sais que ce serait pas idiot. On peut pas aller en Devil Deal. On doit faire les clés. Sinon, j'attends un peu, hein. Voilà. Scapulaire qui sert à quoi? Pff, à faire plaisir à Sky, mais à part ça, bon. Scapulaire, quand je tombe à un demi-cœur rouge, ça me donne un cœur bleu. Il y a des moyens d'optimiser un petit peu ça, c'est vrai, c'est pas mauvais, hein. Mais ça me prend la tête sur l'optimisation. Et du coup, voilà. Là, on me propose un petit stigmata qui me ferait un cœur plus hein, du damage, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Bouclier plus les larmes bouclier. Je sais pas. Non, je vais faire stigmata, j'ai besoin de cœur quand même. Hein. On va pas rester à deux cœurs comme ça tout le temps. Hein. Il me faut un cœur rouge. Ah mais non, il est dans la salle. À la place de la pièce grise. Voilà, HP up et un peu de dégâts. Je pense que c'est ce qu'il nous faut. Il y a un monde où on aurait attendu d'avoir les Angel Room pour avoir plus de cœur blanc et ainsi aller vers du... Voilà, merci à tous. Et allez, la manette, allez, c'est parti, la manette. J'ai pas beaucoup de clés hein, pour ouvrir tout ça. Bonjour Space. Super. Un cœur bleu. J'emmène. Est-ce que je fais encore du HP up l'esprit de feu. L'esprit de feu, c'est... Il va falloir qu'on discute du problème du feu, Fela. Hein. T'aurais pas quelques tendances Bonjour King. Explosivo, l'esprit du feu, hein? Bon. La sacoche, ouais, pour optimiser le spawn d'objets, hein. C'est vrai. En plus, ça demande des trucs de miard, là. Pour la traîner. Ah! Alors attendez. Alors attendez. D'abord, je me fais un sac banane. Et après... Et après... Maintenant, j'ai une traînée de feu.
Et oui, effectivement. Attends. Ouais. On aurait pu faire mieux. Une clé ! Ouh, la grosse pièce. Dans la besace. La carte... Oh, le pige. Le pige qui demande pas de pièces. Donc on va peut-être faire un craft sans la grosse pièce d'abord. Lait d'amande. La tête d'œuf, ça donne un cœur hein, et un peu de def. J'aime bien. Sinon, on peut partir sur une petite picouse, mais celle-ci est pas terrible. C'est vraiment pour plus tard, quoi. C'est un pari sur l'avenir. Si on fait une picouse, mais je l'ai pas fait. Sinon, il y a encore l'option de faire la boîte et de garder la boîte jusqu'à la dark room. C'est vrai que le lait d'amande en shield de tir, c'est pas mal. Bombe, bombe, bombe. Il manque une pièce. Je fais cette boîte et je ne l'utiliserai jamais. Jamais. Pourquoi il me propose que ce truc de merde là ? Il manque une pièce, c'est bingo ça. Ouais, mais il manque pas une pièce là. Mais oui, il y a une case, il manque une pièce. Mais quand il manque une pièce, c'est plutôt... genre, on a vraiment fini l'étage et... Il manque une pièce, quoi. Non, mais c'est un bourbier, ce bingo, là. Genre, c'est mort, quoi. Comme le jeu Concorde, il est mort déjà. Il est mort dans l'œuf. Alors, il y a une jolie picouse, il y a la clé de Mom. La clé de Mom, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Hein. Je pense qu'il faut partir sur la clé. Hein. Après, Squeezie serait pas mal non plus, parce qu'au niveau tier rate, on est un peu léger. Mais... Il faut que ça décolle. Est-ce que... Là, c'est la clé qui voulait le cœur bleu. Putain, mais je l'ai pas vu là-dedans. Chier. Il y a toujours le pige. On peut toujours faire le petit pige. Ok. C'est pas plus mal, hein. En vrai. Et bon, j'aurais dû faire le pige et du coup pas utiliser le cœur bleu comme ça. Pilule. Que je fais la picouse. Ah mais non, mais la pilule elle est là-bas. Oh. Ouais, l'échelle, c'est pas inintéressant, mais on va choper le vol.
J'en suis persuadé. Ah, une pilule. Vas-y, que je vois plus rien là. Je sais plus ce que ça fait, ça. Ouf. Alors là, c'est généreux hein, au niveau des cœurs blancs. Si on pouvait avoir l'Angel. Le champi. Je sais plus ce qu'il fait, le champi. Putain. C'est un bon stat-up. Putain. Les trucs enflammés, ça explose pas trop souvent, ça va. Allez! Vraiment. Je sais pas pourquoi je vous écoute. Il faudrait de la range. On se casse! On peut faire la poupée, on peut faire le halo, on peut faire plein de choses. Hein. Mais faut peut-être qu'on attende l'Angel Room, voir s'il peut y avoir deux cœurs blancs. Si jamais elle s'ouvre. Attention aux bombes, hein, parce que j'en ai besoin. Il y a un pourcentage de chance pour que je prenne ce cœur blanc sans faire exprès. Super. Dans le désarroi là, j'arrive plus à réfléchir, ça commence. Une traînée sur la traînée, je sais même pas si ça peut se cumuler, si ça en fait deux ou si ça sert à rien. Ça explose. Il y a l'Angel Room. Il y a beaucoup d'objets intéressants qui commencent à se montrer là.
qu'est-ce qu'on fait à... Oh, mais il y a le Burstright. Faut qu'on fasse ça. Donc, un cœur blanc, deux pièces jaunes, deux pièces grises. Faut enlever une bombe. Ça y est, je le vois plus. Ça y est, j'ai merdé. Putain! Ouf, sinon, je fais l'échelle. Non, j'ai pas assez de sous pour l'échelle, je pense. L'objet remonte. Bah... Ouais, il est bien remonté, ouais. Casse les pieds, ça y est, ça m'énerve. Il fallait une carte. Il fallait une carte. J'ai une carte quelque part. Faites chier. Vous savez qu'on va mourir d'explosion? Burstright en prio. Bah ouais, mais il a disparu. Et il est parti. Allez hop! Voilà. Ah, le huc. Réfléchir, jamais. J'aurais dû ramasser cette clé. Ça explose plus, ça, hein, c'est que sur les ennemis. Voler une télé? Jamais. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu clip pour avoir. Pour avoir la recette. Ouais, il y a possibilité, probablement, de ne rien ramasser. Et hop, la batterie dans le sac. Il y a la clef, là, qui donnerait un Deluc. Ah, j'ai pas vu le collier. Le collier, c'est... Ouais, mais le problème, c'est que c'est les pilules, là, et j'en ai pas, des pilules. Enfin, elles sont inaccessibles. Après, j'ai des bombes. Je peux peut-être aller la chercher. Ah mais non, parce qu'il faut une clé, mais je peux même pas passer. Le collier, c'est un cœur. Le collier, il a disparu, il n'existe plus. Il est là. Non, mais il y a deux pilules, quand même. Il y a quand même deux pilules. Ah merde, mais où je vais, là, putain? Voilà, voilà, on voit pas, et ça m'énerve. Mais il y a une clé, là, qui traîne depuis 10 ans. Je vous ai déjà dit que je détestais ce truc. Deux cœurs, trois pièces, deux pilules, et je sais plus.
Je descends. Voilà. Vous voyez, je suis au bout du bout, là. Je peux pas réfléchir dans ces conditions. Actuellement en train de crever après avoir fait des trous dans mon jardin et retiré une souche à la pioche. Oh my god. Libra? Pour librer? OP nous appelle. Qu'est-ce qu'elle a, OP, là? Ah, ouh! Ah, d'accord. Est-ce qu'on se fait Libra? Comme ça, je descends... Enfin, voilà. Libra, ça va équilibrer mes stats. On va remonter en dégâts et descendre un peu en rate, mais... Il me faut quoi? Il me faut une troisième clé à la place... À la place de la batterie. Je pense que ça va neutraliser le build. Je sais pas. On s'équilibre. Alors effectivement, là, le tear rate... Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va peut-être pouvoir crafter plein d'autres trucs. Pas forcément ouf, mais qui donnent des stats, non? Il y a peut-être des objets faciles à faire qui donnent des stats, et finalement, ils vont booster. Arrête, c'est ridicule. On pourrait acheter un objet pas trop cher, là. Si on se faisait un petit virus, ça ferait du speed-up, donc ça te mettrait partout et ça nous ferait une picouse. En plus, ça prend pas la pièce blanche. Faut que j'enlève un cœur. Et ça y est, c'est parti. Je le vois plus. Il est là. J'enlève un cœur et je mets une pièce. Voilà. On a les stats qui se mettent partout. Si t'actives la boîte, là t'as un item de boîte. Ah non, 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 mais je veux garder la boîte pour la Dark Room. Parce qu'il y a un succès. Ça fera rien, mais j'aurai un succès. Bah. Ah, d'accord, c'est une pièce collée. Il y a encore, il y a la pilule de speed encore, la caféine. Après, ça prend pas ma pièce blanche, ça va me la gâcher un peu. Sinon, il y a le cochon.
qui va faire spawn des pièces, encore une fois, pour peut-être être utile. Faut une bombe. Faut que j'enlève la clé et que je mette une pièce jaune. On garde pour un startup random. Merci Dracomen pour ton 20e mois. Le cadeau là, je veux pas faire de... Comment ça s'appelle ? D'activable. Ou alors faudrait que j'arrive à poser mon activable, mais sinon ça va décrafter ma boîte. Putain, mais Ah oui, mais maintenant qu'on a un morceau de clé, c'est pas si étonnant. Je trouve quand même qu'on a beaucoup de cœurs blancs. On va aller finir l'étage avant. Ah, puis on peut aller dans... Attends, mais on peut aller là-dedans, là. On peut aller dans la salle de boss. Au moins, on génère des objets. Hein. Avec la sac banane et la tirelire. Y a rien qui donne vraiment des stats sympas là. Duality, voilà, peut-être si on veut se... Si on veut pour plus tard, enfin, pour nous aider en Angel. Ouais, on peut. Comme ça, on trouve plus d'objets d'Angel après. Ça, je ferai le cavalier. Je vais faire Duality. Parce que comme ça, on aura plus de chances de retomber sur des Angels plutôt que des Devil Deals qui vont s'ouvrir. Parce que les Devil Deals, vraiment, ils vont me saouler. Quelques dégâts, mais ça va. Ça va. Je peux refaire un virus. Ça marche pas. Ça n'a rien augmenté.
Je sais pas pourquoi. Bonjour Over Hugo. Ah, je vais me refaire un petit pyjama, moi. Rien à foutre. Ou alors je fais... Attendez. Il y a le pot belge juste au-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je fais un pot belge. Ah, je suis déjà addict. Ah bah oui, ça m'a quand même... Ok, ça m'a quand même compté la deuxième picouse. Ok. Même si ça, le deuxième virus m'a pas donné de stats, j'ai quand même eu les stats du addict. Petite question qui a sûrement déjà été postée, mais vas-tu faire Astrobot? Oui, un jour. Alors, je suis à la bourre sur tous les jeux que je veux faire. Et quand j'ai du temps, j'arrive pas trop à lancer de stream et on se retrouve à rien faire du stream et à jouer à Isaac. Mais dans l'idée, c'est un jeu que je veux faire, oui. Il va me redonner un virus, lui. Est-ce que je ferais pas ce petit HP up là? Non, on va peut-être aller d'abord au boss et voir s'il y a une Angel. Book of Virtues? Je sais pas. Peut-être que ça garde l'activable. Pas d'Angel Room, mais un cœur blanc. Donc finalement, un petit peu quand même. Qu'est-ce que je fais? Il y a trop de choix. Trop de choix. L'acide, je me souviens plus s'il donne des stats. Après, la chaussure, elle donne des stats, là. Regardez, j'ai pas le temps de réfléchir. Hop là! Et voilà! Bon. Vous avez eu le temps de voir quelque chose, vous? Moi, non. Moi, j'ai rien vu. Voilà. Bon. Rostock, ça peut carry? Oui. C'est vrai. Ça aurait peut-être pu. Surtout qu'on a la possibilité de looter pas mal d'argent. Bah, il y a Marbles qui revient. Je pense qu'on va partir là-dessus. Peut-être des trinkets plus intéressants. Une clé, trois bombes. Ouais. Callosité, Calogero, hein, je sais pas.
J'ai perdu tellement de cœur là, va falloir qu'on se refasse un pige. Donc les marbles, là, ça fait spawn des trinkets, mais quand je prends des dégâts, j'ai un pourcentage de chance d'avaler mon trinket. Ce qui donne l'effet tout le temps, quoi. Et comme ça, je peux changer. Donc peut-être qu'on ira rechercher le caca pétrifié si je prends un dégât. Mais je prends pas de dégâts, donc c'est vrai que c'est dommage. C'est moins utile, du coup. Genre à pas trop prendre de dégâts. Je déteste ces machins. Allez. Allez. Ah. Ah, oh, j'ai avalé mon trinket. Je vais aller chercher le caca pétrifié. Je peux faire la médaille en chocolat. J'ai avalé mes callosités. J'ai avalé mes calogéro. J'ai envie de faire la médaille en chocolat. Ah. Ah. Il me faut quoi là? Il me faut un cœur à la place de la bombe. C'est dur, hein. Médaille en chocolat. Ça a donné des stats. Ça m'a donné une clé. On prend, on veut des stats. Il va falloir me redonner des cœurs bleus, hein. Hello. Je voulais savoir si tes musiques sur Isaac étaient un mod. Parce que j'ai que les classiques. C'est effectivement un mod. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais avec le point d'exclamation mod, voilà, il doit y avoir. Et ça doit être... Voilà, Anti-Burst plus, quelque chose comme ça. Anti-Burst Musique plus. On n'aime pas les musiques de Ridiculon. En vrai, je trouve qu'il y en a des sympas, mais que dans la majorité, elles sont oubliables. Allez, je prends tellement de dégâts. C'est effrayant. Alors on peut avoir du split shot ou alors des trucs qui donnent des stats. Ah mais il y a un lucky penny, c'est pour ça qu'il y a des jolies choses. Attendez, il y a un lucky penny. Hein. La cible c'est bien, mais je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire le Ghost Paper. Je pense que je vais partir là-dessus. Je mise sur un tir rate bien boosté au bout d'un moment. Il me faut donc deux clés, j'en ai une. Il me faut une pièce à la place de la bombe. Par contre, la luck, elle est à zéro. Hein. Va falloir la booster. Faites-vous toucher. C'est un peu drôle, mais ça me fait chier. Ah!
C'est quoi ce truc de pointeur? Pédantix. La plaque, c'est de la def aussi, non? On peut pas esquiver des larmes avec la plaque. J'ai un doute. Le chien. Oula. Alors, cœur noir, ça change tout. On a un œil de guppy. Bah, Brimstone, je veux bien, mais... un peu léger encore pour Brimstone, là. Il y a Monique égale Power qui va du coup donner des stats de partout. Si je prends Monique égale Power, tout l'argent va me donner des stats partout. De faibles stats, c'est vrai, mais quand même. Sachant qu'on arrive au point où il n'y a plus de shop. J'ai quand même envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. J'ai envie d'y croire. L'argent me servira plus. Deux pièces. Il n'y a aucune bombe en fait. Hein. Il me faut à la place de la pièce. Je mets la pièce comme ça. Et à la place de la pièce, je mets la pièce comme ça. Et je me suis planté. Il me faut un autre cœur à la place de la pièce. Et il n'y a plus de cœur en vérité ici. Hein. Enfin, il y en a un, mais il est loin. C'était la bombe. Non, mais je... Voilà, je vous ai déjà expliqué. Je ne vais pas le redire. J'arrive pas. J'arrive pas. Bon, il va bien y avoir un cœur là-bas. J'ai une bombe en trop. Ouais! Ouais, c'est la bombe, pas la... Je sais pas. Je ne sais plus. Il faut deux cœurs. J'ai les deux cœurs. Et du coup, je fais quoi? Oh, C'est trop pour moi. Ah genre ça donne pas le bon truc là, il se fout de ma gueule en fait. Ah oui, il considère que j'ai deux pièces. Ah d'accord. Je dois donc enlever la bombe et prendre une pièce. Allez. C'est compliqué, hein. Je suis désolé, moi, ça me flingue le cerveau, tout ça. Il reste des salles. You got this, babe. I got this. Show them. Gonna show them.
show them. Gonna show them. Gonna show, gonna show, gonna show them. Dites-moi que cette musique est pas copyrightée. Je vais être obligé de supprimer sur YouTube. Bah franchement, on a été surpris par les gros nichons qui sont copyrightés, hein? Hein? On y va pour les gros nichons! Copyright! Tout est possible. Oula, oula! Ah! J'aime pas cet endroit! Mais oui, mais bien sûr, parce que je suis con. Voilà. Âme d'Isaac. Show them. Gonna show them. Gonna show, gonna show, gonna show them. Ça donne de la range, l'infini, là? Petit HP up. Ouais, mais on va pas utiliser une rune pour ça. Je sais pas pourquoi je parle comme ça d'ailleurs, c'est très bizarre. Je vais aller en Angel Room, voilà ce que je vais. Pourquoi je suis à 0%? J'ai déjà fait le boss? Ah oui. Je descends. Nécropole des Keyblades. Point 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 point. Nul. J'ai voulu regarder pour les droits d'auteur royalties sur la musique, dit que j'ai des looks sur le thème royauté. What the fuck? C'est ce qu'il faut faire. Attends, je voulais que je regarde. Je vais regarder. Je vais sur YouTube. YouTube. Dress to impress music. Je clique. Est-ce que YouTube détecte une musique? Ah, mais il y a quand même... Ça, c'est une autre musique. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il le détecte sur les vidéos, donc peut-être que ça ira. Mais on verra sur cette VOD, au pire. Ce sera la surprise. Yo Yuno, tu peux marcher sur les pics? Ah ouais. Ouais, parce que j'ai des gros pieds bien calleux. S'habiller pour impressionner. Je m'habille pour impressionner. Hop là! Pouais, 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 pouais. J'ai des yeux partout. Un cœur. Pouet, 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 pouet. Des yeux partout, même chez nous. Oui. D'ailleurs, je te prierai de remonter ton pantalon. C'est pas joli joli tout ça. Show them. Gonna show them.
Et allez, les dégâts, ça y est, j'ai plus de cœur bleu, on est foutu. C'est foutu, voilà! Allez! Oula. Le pige! Oh my god, it's a pyjama. Attendez. Pyjama, 5 pièces. Il me faut des pièces. Ah! Le pige! Il me faut... moins une bombe, une pièce. Pyjama! Ah, j'aurais dû me... Oh! J'aurais utilisé mes PV parce que le pyjama, il régène. Pyjama 28, show them. Show them. Gonna show them. Je fais semblant de marcher. Marche pas. Le vieux bandage. C'est vrai que le vieux bandage peut être intéressant. On va donc faire ceci. Cela. 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 Il me faut encore une pièce et un cœur. Il reste une pièce là. Okay. Bandage. Voilà. Vraiment, faut que je prenne des dégâts, ça donne des objets, quoi. C'était pour le moins inattendu. Ça me fait beaucoup rire, moi. Qu'est-ce qu'on rigole. Par contre, c'est copyrighté, les gros boobs. The. Vous êtes prêts pour grid? Quel fils de... Alors, je l'ai déjà eu cette picouse. J'en ai deux déjà. Cœur vide pour Devil Deal. Je sais plus ce que ça fait exactement. Ça fait quoi? On peut pas d'aider. Oh, on pourra. Ça va sûrement revenir. Ça te donne un emplacement de cœur vide en début d'étage. Ah oui, c'est vrai. Ok. Ouais, en vrai, c'est pas plus mal. Ça me fait des HP up. Pour le prix d'un seul objet. En vrai, je pense que c'est bien.
Et après, peut-être du Devil Deal, effectivement. Mais rentre pas là-dedans, toi. Quand on aura le deuxième morceau de clé, pourquoi pas. Par contre, la luck, elle veut pas, là. C'est vrai qu'on va aussi en Dark Room, donc possiblement des besoins de cœur pour les coffres rouges. Est-ce qu'on veut vraiment de la luck ? Oh, bah oui, faire des flammes, non ? Bon, je m'y fais, moi, mes petites explosions à force. Ah ! Il y a peut-être moyen de crafter quelque chose qui nous protégerait des explosions. Bravo. Bravo, ça, vraiment, c'est très fort. Va falloir qu'on crafte encore un pige. J'ai besoin de beaucoup de pyjamas. Ah, je peux marcher sur les pics. Oh là là, faut le dire plus vite. Hein. Deux cœurs. Ça part. Cinq pièces. Une seule bombe. Aucune clé. Pyjama. Ah voilà. Show them, show them. Gonna show, gonna show, gonna show them. Je suis pas allé en secret. Enfin, la secret qui a crié là. Je peux marcher sur les pics car j'ai les pieds calleux. Des cœurs. Rempli de pyjamas, j'avoue. Ça peut être pas mal. J'y vais. C'est rien. Nous allons en Dark Room, nous prenons le négatif. Nous allons en Dark Room. Nous allons en Angel Room. Brioche touille, brioche touille, brioche et coloquette qui roule. Nous avons un cœur blanc. Merci Brome. Je prends quelques dégâts, mais c'est pas grave. Au pire, je me ferai un petit pyjama. Pas convaincu. Il y a rien qui m'enchante.
moi quand ça m'enchante pas. Il y a un cœur bleu là dans le bazar parce que je vois rien. C'était avant peut-être. J'espère. Oui, il est là. Bah je vais le ramasser parce que voilà. Je l'aime bien, il me va bien. Je peux faire un jus de Jésus. Qui dirait non à un jus de Jésus? Ouais, mais ça prend pas le cœur blanc. Mon collier! Alors, le jus de Jésus, c'est du jus de raisin, Void. Placenta, en vrai. Pour la luck? Chosem. Gonna show them. Y'a pas de cœur là! Je me barre. Je tire. Ok. Je me tire. Ok. Et un pyjama. Show them, gonna show them, gonna show, gonna show. Ouais, mais on était parti, c'est vrai, sur ce luck up HP up, mais rayon pyjama. gonna show them. Il me faut 5 pièces. À la place de la clef. Ah ! Non, tout va bien. Et un pyjama ! Ah ! C'est confortable. Pour une fois que le conforteur. Pff, tu vois, moi c'est moi qui sais pas lire. Correcteur, il ne dit pas de bêtises. On t'inquiète, Cotton. Le coton du roi Bou, là. Le roi Bou qui vient des US, le coton. Je dis n'importe quoi. I'm gonna show them. J'ai bien la clé, donc tout va bien là. En plus, on va faire un succès avec la boîte. Je crois que Bri est sur le point de faire AVC. Appelez le 15 right now. Right now. Toi aussi, tu viens des US. Attention à pas prendre de dégâts. On the phone to save Brioche. Super Brioche. Oh my god. Ce matin, il y a ma pharmacienne qui m'a demandé si j'étais influenceur. Ouais.
Pourquoi? Influençable. Mais... parce que j'ai pas de mutuelle. J'aime bien parce que ça a vraiment aucun rapport. Vous avez pas de mutuelle, vous êtes influenceur, vous? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez que ma mutuelle, ça bug. C'est de la merde. J'ai dit, ouais, c'est parce que... voilà. Elle m'a dit, c'est la mutuelle de la société, de votre entreprise, là. J'ai dit, oui, mais je suis le seul, parce que c'est moi le patron. Ah, vous faites quoi? Je travaille sur Internet. Ah, mais vous êtes influenceur? Et voilà. Travailler sur Internet égale influenceur. Oui, oui, c'est ça. Donnez-moi ma crème pour mes hémorroïdes et cassez-vous. Merci, au revoir. Je te jure. Elle n'a pas été déçue, hein, parce qu'alors elle a reçu une ordonnance tachée de gras pour mes antidépresseurs. La feuille, on voyait à travers. Attention les brimstones, attention! Elle est pas horrible cette salle par hasard? Je crois. Hein. Le gras il venait d'où? Des pains au chocolat que j'ai mis dans mon sac. Oh! Il y a un pyjama là! Faut 5 pièces. Is it Precress, the famous one? The famous Precress? Allez, je mets tout dans le sac là, c'est parti. Si j'ai besoin de cœur bleu, je me ferai un petit pyjama. Ouf! Attendez, on va peut-être avoir deux cœurs blancs, là. Trois cœurs blancs? Il y a la protection contre les explosions qui s'affiche. Je pense que le choix est fait. Faut que j'enlève des pièces. Ah, il a disparu! Ah, mais pourquoi? Pourquoi il n'y a plus? Putain! Void a écrit. Un bleu, c'est fait. Trois blancs, c'est fait. Une pièce, c'est fait. Trois bombes. Ok, j'enlève une pièce, c'est ça. Merci Void, merci beaucoup. Et merci Méganté qui m'a dit que tu avais écrit. J'y vais. Une fois, j'ai eu un médecin qui m'a dit « Ah bon, vous avez le cancer ?» Vous êtes sûr? Bah non, c'est une private joke, connasse. Oh, regardez, il faut deux clés. Faire des blagues dans le médical, je pense à un moment donné, faut se casser, quoi.
J'explose plus. Eh, je peux crafter un pyjama. Je vais crafter la tête d'œuf. C'est le choix que j'ai décidé de faire. J'ai pris une décision. Attendez, faut que je vérifie quelque chose. Ouais, j'ai pris la décision, c'est vrai. Attendez, je suis dessus là. Ok. Fin de la décision, c'est bon. Enfin, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut 5 pièces. Il n'y a aucun cœur rouge, donc je prends 2 pièces. Crâne d'œuf. J'ai 20% de chance d'esquiver une larme. Et j'ai eu un cœur bleu. En plus, je crois que le chapeau là qui me protège des explosions, il peut aussi me protéger d'une larme. Bonjour Mythille. Mythille ou Mythille ? Je sors de l'ombre pour soutenir une personne géniale et commu au top. Continuez comme ça, briochez, carrière à 3 follow. Merci pour le resub, Lollipop. Et du coup, tu soutiens qui ? T'as pas dit ? Soutenir une personne géniale. Du coup, c'est qui? Pff, clé chargée. C'est ta mère. Bah, c'est vrai que, putain. Oh, putain. J'aurais dû dire des personnes. Je peux marcher dans le sang parce que j'ai les pieds calleux. C'était pas une blague. C'était de l'ironie. Je sais plus ce que t'as dit, coton. Je sais pas, moi j'arrive pas à vous suivre là. Il y a de la luck avec la Navi. In the Navi. J'enlève une pièce. OMG, un point de luck. C'est un challenge en particulier? Non, c'est Tented K1. On doit faire The Lamb et Mega Satan. Et pourquoi pas un petit Delirium s'il s'ouvre, bien sûr. Non, pas ce délirium-là, hein. C'est délirium s'il s'ouvre plus tard. Est-ce que le jus de Jésus va enfin être des nôtres? Ou alors cette petite broche, tu vois. Petite broche, ça donne des stats. Ah, le jus de Jésus, il demande une pilule, une carte, là, il saoule déjà. Allez, je
sais pourquoi. Qui ne jouit pas devant ce stream? Ça va, Méganté? Ah, je croyais qu'il allait exploser. La blague marche pas, sinon c'est juste bizarre. Ça allait avec le message du dessus. Non mais y a pas de problème, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. C'est non. Ferme de petite vertu. Ferme. Ferme. Yes. Pas les bonnes lettres, mais c'est pas grave. Ferme de petite vertu, là. Alors que stigmata. HP up. Ouais, mais damage up qui va être... qui va être bousillé par mon Libra. Allez, la lumière, ça fait un moment qu'elle nous titille, celle-là. J'ai dit qu'un médecin m'avait demandé si j'avais vraiment eu le cancer, comme si j'allais mentir, et du coup j'ai dit bah non, c'est une private joke. Mais c'était de l'ironie, bien sûr que c'est vrai. Enfin, j'ai autre chose à faire que d'inventer ça. Je dis ça parce que j'avais l'impression qu'on pensait que j'avais vraiment fait une blague. Ah non, non, c'est justement, c'est ton médecin que je dis, genre, c'est lui qui fait des blagues. C'est de lui que je parle. C'est de lui que je trouve que... Non, non, mais j'ai autre chose à foutre qu'à faire des blagues alors que j'ai l'impression que je vais bientôt crever. Voilà. Donc, voilà. Vous êtes bien gentils. Vous avez peut-être l'habitude de ça, mais moi j'ai peur pour ma vie, hein, donc vous allez prendre ça au sérieux. Mais vous êtes influenceur ou pas, du coup? Non, mais moi, je te dis force. Giga force, là. Ah la giga saucisse. Très bon objet, mais on ne pourra pas le prendre. Enfin, peut-être. N'empêche, avec tout ça, on n'a toujours pas avalé le caca. Le fait qu'on l'ait avalé juste 2 secondes après. Je prends quelques dégâts, mais au pire, je ferai un pyjama.
Mais quel caca? C'était le trinket. On avait le trinket du caca pétrifié. Et vu que quand on prend des dégâts, on peut avaler le trinket. Ouah, cœur blanc plus cœur d'os. Mais attendez. Bah c'est nul. Si je fais le masque, ça fait beaucoup de défense sur les larmes. Hein. Ou alors, je fais le rosaire. Il me faut une clé à la place d'un cœur... Non. Une clé à la place de... le cœur d'os. Un pyjama, sinon. Sinon, un pyjama. Rosaire. Ça fait des stats. Il va avoir chaud avec toutes ses couches de vêtements. Subir un dégât invoque une mouche bleue. Arrêtez de prendre des dégâts. Oh là là. Fléau de cécité. On a le mode. On a le mode. Nous avons le mode. Nous allons tricher. Enfin là... Mais d'ailleurs, le cœur vide, il m'a pas dû nous donner des... Peut-être que j'avais pas compris son principe. J'ai dit les cœurs vides, c'est quand t'as plus de cœur rouge. Ah. C'est le mode de description d'items. Il va nous donner les listes, mais on n'est pas censé les avoir. Genre là. Parce que si je prends ça, là, en bas à droite, on ne le sait pas. Mais en vrai, on sait. Il y a un lock-up. Et un HP-up. On va prendre le HP up, le cup, là, je pense que c'est ce qu'il nous faut, là. C'est ce qu'il nous faut, là, je le sens bien, là. 5 bombes, une pièce. On est bon, là? Je crois que oui.
Croûte magique, HP up et le cup. Alors qu'un autre pige, c'est faisable. Ça va peut-être arriver. Mais non. Mais non. Après, on peut se faire aussi... on n'a plus vraiment besoin. En vrai, on n'a plus vraiment besoin du pige. On a surtout besoin de HP up maintenant. Parce qu'avant, je voulais... Ah, mais je prends pas les dégâts de cette explosion. Avant, je voulais absolument... me protéger pour les Devil Deal et Angel Room, mais... Maintenant, on peut se faire des HP up. Comme ça, on fera tout. Après, Peach, c'est plein de cœur. Oui. Pourquoi tu cries comme ça? Vas-y, deux de luck là, on pourrait quand même avoir des coffres. Apparemment non. Je sais pas comment optimiser là. Ça va, je prends pas trop de dégâts. Je trouve ça va. Putain, mais non! Alors qu'un pyjama... Un petit pyjama, s'il vous plaît. Ça s'affiche plus, le pyjama. Y'a pas de pyjama. J'avais besoin de ce cœur. J'avais besoin de ce meuble. Après, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Hein. Faut que je décrafte un truc ici. Hein. Ok, il y a un HP up. Avec des stats. Ou alors la picouse qui va donner des stats. Si je fais le HP up, je récupère mon cœur et je peux continuer à décraft. Mais j'aurais eu quelques stats. En plus, il m'aura régène un petit peu parce que c'est un HP up. Donc il faut 6 pièces. Et 2 clés. Voilà. Il y a de la luck. Un cœur bleu. Un pige. Hey, yeah, 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 yeah.
Deux cœurs rouges. Une bombe. Et le reste, des pièces jaunes. Emmener un pige pour le boss, c'est pas déconnant. Ah ouais, le préparer. Ok. Je vais aller continuer avant de le crafter. Parce que je vais toujours prendre des dégâts. Les pièces grises comptent en grise. Oui, c'est vraiment des objets différents. C'est pas genre 5 pièces blanches ou... Enfin, 5 pièces jaunes. Pyjama de luxe. Ah, j'ai pris un dégât. Zut alors. Je ne crains pas les explosions. Il faut des stats, hein, je pense. Hein. Faut qu'on se crafte des trucs qui donnent des stats. C'est un peu léger, les dégâts, je trouve. J'aimerais bien que ce soit plus. Ou du split shot. Quand soudain, du split shot. Ou alors le squeezy, ou alors le piment rouge, ou alors... En vrai, du split shot. Mais d'abord, un pyjama. Alors, un cœur rouge, trois pièces jaunes, une pièce grise, deux pièces blanches et une bombe. Il me faut les deux pièces blanches du spawn. C'est bon là ? Ça va être bien ça, ça va être bien. Pilule. Oh, y a des chances hein, qu'on décrafte les deux derniers. Hein. Ok, on a tout fait. On a tout fait. Il y a une pièce blanche. On peut refaire la viande. D'ailleurs, la viande ne demande pas la pièce blanche. Comme ça, je récupère mon HP. Parce qu'il n'y a rien qui donne vraiment des stats, sinon... Ah, il y a les picouzes, là, mais je sais pas, je l'ai pas déjà faite, celle-ci. Elle demande la pièce blanche, cette picouze. Et pas la pilule.
Gimpy. Ouais. Gimpy, c'est pas mal. Il me faut encore une pièce jaune. Le latex. Donc quand je prends des dégâts, je peux faire spawn des cœurs bleus. Je peux crafter un pige. L'ultime pige. Attends, peut-être que le void va s'ouvrir. Ok, deux cœurs rouges. Cinq pièces. Une bombe. Ok, il manque les deux cœurs rouges. Et je l'utilise pas tant que je suis pas quasi mort. Je vais pas rester ouvert longtemps là. Je crains pas les explosions. J'ai avalé mon crotte de nez. C'est salé. Merde! Quel nul. Là, avec les flammes, normalement, on est plutôt tranquille.
prend son temps. Et Void n'a pas ouvert la bouche. Quel dommage. En vrai, c'est super dommage parce qu'encore une fois, on avait le build. Hein. Nous avons débloqué les pilules dorées. Donc deux succès, hein, puisqu'on a aussi ramené la boîte. Jusqu'au Dark Room. Faut espérer que le Void s'ouvre quand on fera Blue Baby, sinon ça va être super chiant. Ah oui, il est fait. Attends, mais alors pourquoi je voulais le faire? Ah, c'était peut-être quand on avait fait Judas. Ah bah ça va alors. Tu peux fermer la bouche, Void, c'est ok. C'est ok. C'était pas pour le fun? Non, non, je pensais vraiment qu'on l'avait pas fait. En même temps, oui, c'est con, parce que je me souviens qu'on avait débloqué le sac de craft. Bah écoutez, très bien alors. Pas de regret. Nickel. La run était rigolote, en plus. Avec tous ces pyjamas, là. La run a duré 2 heures. Wouh! Des bisous, YouTube, hein. La prochaine fois, je crois que c'est encore un... C'est la même chose, hein. C'est le même bordel. C'est The Lamb Mega Satan avec Tented Eve pour les pilules de cheval. 2 heures, 7 pyjamas. 6 plus 1 dans le sac. Nous sommes équipés. Des bisous YouTube, à bientôt.